vous allez bien. Donc, je reviens avec une petite vidéo. Je déballe mon colis Keepers créatif. Donc, je l'ai reçu ce matin. Il y a plein de nouveautés. Mais avant toute chose, d'habitude, je le fais voir que mes mains. Mais je m'étais dit que pour l'occasion, on pouvait mettre un visage sur un nom et une animatrice de région Champagne-Ardenne. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Patricia Arnaud, j'habite près de Rethel dans les Ardennes, un petit peu au nord de Reims et un petit peu au sud de Charleville-Mézières. Et donc je suis animatrice pour Keepers Créatif. Donc Keepers Créatif, c'est une entreprise basée en Hollande qui est revendeur d'un grand nombre de marques réputées dans le loisir créatif et qui passent par leur animatrice en région. Voilà. Donc maintenant que vous avez un petit visage, vous voyez, vous pouvez, quand vous verrez passer des messages sur les réseaux sociaux, vous pourrez mettre un visage sur mon nom. Alors là, je vais repasser par mes mains parce que je trouve que pour présenter tous les produits, ce sera préférable. Donc je vais stopper la vidéo, puis je vais la reprendre en position horizontale, sachant que pour éviter le mal de mer, je stoppe et je reviens. À de suite. Comme promis, me voici de retour. Donc, comme je le disais, je vais vous présenter tous les produits que j'ai reçus aujourd'hui. Donc, il y a plein de nouveautés. Je vais commencer par les duos de 10 tampons, pardon, qui sont arrivés dans la série, dans les Nelly Choice. Il y a toute une série. Donc depuis cette fois-ci, ils nous ont fait une série avec les fleurs. Donc on a les roses, les lys, ça c'est les coquelicots, et ça c'est les... je suis assez nulle en fleurs, mais les xanthéums, je crois, c'est ça? Moi j'aurais dit un arôme, les arômes. Enfin, voilà. Donc c'est une gamme. Vous avez le tampon acrylique assorti à la découpe. Hein. Vous savez, on a déjà eu une série avec des personnages. D'ailleurs, je vais vous montrer la nouvelle série qui vient d'arriver. Donc, au niveau tarif, bah, voyez, approximativement, nous allons de 6,50 € à 7,75 €. Et donc là, à chaque fois, pour le prix, vous avez à la fois le tampon et la découpe. Tampon qu'on peut tamponner. Ça, c'est... à l'aide de la Versafine, c'est extra, et qu'on peut coloriser soit avec des feutres, soit avec des encres. Hein. Voilà, donc ça c'était pour les fleurs. Et pour les nouveaux personnages qui sont arrivés, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, on avait eu la communiante, il y avait plein de petites filles, la petite fille avec le chat, le garçon avec le chien, enfin voilà. Et donc là, on a une nouvelle série de personnages. Donc on a la petite fille qui met les chaussures de maman, la petite fille au parapluie, la femme enceinte, l'ado et la femme, la jeune femme au moment des fêtes qui achète des cadeaux de Noël. Donc là pareil, hein, au niveau tarif, donc même système que ce que je viens de vous présenter. Ça commence à 6,25 €, donc pour la femme enceinte et le bad boy. Et puis, donc la petite fille, 6,45 €, 7,25 €, 7,50 €. Voilà, sur une gamme entre 6 et 7,50 €, vous avez à la fois un dit et le tampon assorti. Donc ça, j'aime beaucoup parce que pour celles qui... C'est vrai que ce qui est bien quand on fait un tampon, c'est de découper. Le détourage n'est pas toujours aisé. Donc là, avec le petit dit, c'est facile. Et ce sont des tailles assez petites, ce qui fait que même pour les personnes qui auraient des gabarits des machines de découpe, pardon, mini, avec les petits formats, c'est utilisable dans ces machines. Hein. Et donc, les trois qui viennent de sortir, il me semble que je vous en avais montré... l'autre fois, les pandas, donc pareil, hein. Oui, dans mon souvenir, je vous l'ai montré. Donc, tampons acryliques, 1, 2, 3, 4, 5 tampons, 4 dits. On a la licorne, donc pareil, 1, 2, 3, 4, alors 4 gros tampons plus plein de petits, et là également pareil, on a un dit pour chaque licorne et un pour le nuage.
Et alors, belle, j'ai adoré, c'est pour ça que je l'ai pris tout de suite. Les meerkats, en fait, les suricates. J'adore ces petits animaux quand on va au zoo. Et donc, de la même manière, alors vous avez 1, 2, 3, 4, la famille suricate au complet, donc avec les 10. Et puis, vous avez également pour les plantes et le rocher. Hein, voilà. Donc, ça, alors ces produits-là, ça c'est Marianne Design, par contre, ils sont un petit peu plus chers. Mais en même temps, il y a quand même énormément de dits et de tampons. Donc, ça c'est 14,95 €. Sinon, je voulais vous montrer pour celles qui cherchaient des tampons fausses, enfin écriture. Donc, en voici un que j'ai trouvé. Donc, ça permet de, quand on agrémente une carte un peu mix média, ça permet de tamponner de l'écriture un petit peu aléatoirement, car on se fiche un peu de comprendre ce qu'il y a d'écrit. Hein. Voilà, donc celui-ci, il y a deux tampons. Deux plaques de tampons, hein, vous voyez la taille avec ma main, ça fait 20 cm. Donc 2 de 10 cm, 7,95 €. Je voulais vous montrer également. Donc j'ai reçu à nouveau. Ça c'est pour quand on fait, vous savez, j'ai repris encore à nouveau des mémentos. J'ai eu des nouvelles couleurs. Hein, toujours pareil, hein, 1,70 € la mémento, elle est vraiment pas chère chez Keepers. Et puis, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, j'utilise ces petites éponges que je glisse derrière pour les conserver. Et j'utilise donc ces supports-là pour les scotcher. Alors, sachant que ça se vend comme ça, mais généralement, donc là vous avez 20 éponges et là vous avez deux supports plus 4 éponges. Et en fait, je les divise en deux parce que quel est l'intérêt d'avoir deux outils? Ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Donc je scinde les paquets et donc je sépare. Ce qui fait que pour avoir un support plus deux éponges plus 10 éponges ici, vous en avez pour 5,50 €. Voilà, je scinde les colis en deux. Hein, ça pour 5,50 €, je me répète, mais vous avez un support et 12 éponges. Voilà, je voulais vous remontrer ça. Sinon, ça, je vous montre l'achat d'une de mes clientes, mais ça vous permet de voir un petit peu les marques que l'on fait. Donc, il y a Marianne Design. Qui ont alors les Createable, les Craftable, donc c'est des gammes un petit peu différentes. Vous voyez là, c'est fond bleu, là c'est en gris, donc ça distingue un petit peu les différentes marques. Et si celle-ci, c'est des champignons de Joycraft, donc je vous les montre, mais ils sont déjà vendus en fait. Hein. Mais c'est pour vous montrer vraiment en gabarit de découpe, il y a énormément de choix. Hein. Voilà. Également une nouveauté, oui, des coins pour photos. Donc on a ça depuis peu de temps, ils viennent d'arriver, donc j'en ai pris deux paquets. Donc on a ce craft, donc vous avez 108 pièces à l'intérieur. Et alors j'espère que vous voyez bien. En fait, on colle l'intégralité, ça permet de glisser les photos, donc les photos restent amovibles. Hein. Donc celui-ci, tout craft, donc 108 pièces. Alors, chaque coin fait 12 mm de côté. Hein, ici, 12 mm. Voilà. Donc, 2,35 € les 108 pièces. Et sinon, il existe aussi en mixte. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez, alors, on ne voit peut-être pas bien, mais avec 6 couleurs différentes. Et là, vous en avez 72 pièces. Donc, c'est-à-dire que vous en avez 12 de chacun. Hein. Et donc, on a doré, noir, argenté, blanc, crème et craft. Hein. Et donc 12 coins photos de chaque. Et qui est également à 2,35 €. Voilà. Ça, c'était une nouveauté que je voulais vous montrer. Ça permet de garder les photos amovibles, de les changer autant qu'on veut. J'ai aussi pris cette. Parce que, alors, c'est vrai que des fois, sur Internet, on ne voit pas trop ce que c'est. Alors, des fois, on est curieux de voir ce que referme un produit. Donc bah, je l'ai pris en fait, voilà. Et donc ce sont des découpes, donc je sais pas si vous avez, voilà. Donc on a
quatre feuilles. Alors, on voit au dos, hein, pardon. Vous avez une série de Monstera, une feuille de Monstera. Là, des papillons, des palmiers, poissons, tortues, flamants roses et une série de poissons. Encore. Donc, vous voyez, ce sont des planches. Donc, on en a quatre. Ce sont des planches de produits prédécoupés. Donc, ce que je vais aller voir, par contre, c'est si il y en a dans une autre gamme que dans le tropical, en fait, si d'autres... Parce que là, pour le coup, quand on fait un album sur ce thème-là, ce qui peut être intéressant, on n'a pas forcément tous les dits. Mais là, ça vous permet d'avoir des découpes, en plus qu'on n'a pas besoin de faire. Elles sont prédécoupées, donc ça, c'est génial. Et alors, on les colorise, en fait, soit de la même manière avec nos encres, hein, soit à la peinture, aux aquarelles, tout est possible en fait. Hein. Voilà. Donc ça, je voulais vous montrer. Et effectivement, dans les commentaires de la vidéo, je vous mettrai les liens et j'irai vérifier si des fois il n'y a pas dans cette marque-là d'autres thèmes abordés. Hein. Donc 2,85 € les quatre planches. Ça fait vraiment pas cher la découpe. Je trouve ça très intéressant. Je suis contente d'avoir découvert ce produit. Voilà. Alors, sinon, ça va être une vidéo assez courte parce qu'en fait, j'ai pas énormément de produits. C'est un peu les vacances. Donc, je voulais quand même vous montrer. On a une page outlet. Allez la voir parce que je découvre encore. Ça fait des mois qu'on a cette page-là. Ce sont les produits soldés, donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, ça c'est, voilà, on trouve vraiment des vrais trésors. Donc là, je voulais vous montrer celui-ci, donc c'est un dit, des tampons acryliques, donc il y en a trois, c'est une petite fille qui est avec un lapin, un chat et là un chien. Donc, il faut imaginer les coloriser pour des cartes, pour des anniversaires d'enfants. Et donc là, ils sont soldés 1,95 €. Voilà, ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter. Sachez que sur le site, maintenant, je vous en parlerai à la fin de ma vidéo, mais les clients peuvent commander directement. Bon, il y a des petites contraintes hein, quand même au niveau du paiement et des frais de livraison. Mais par contre, allez dessus, vous verrez s'il reste, combien il en reste, etc. Et s'il faut vous hâter de le commander. Hein. On sait savoir si c'est disponible. Donc voilà, les trois tampons acryliques, 1,95 €. Et dans Marianne Design, ils ont fait trois planches vintage, un peu vintage. Donc pareil, à un prix différent, toute concurrence, 2,80 €. Donc là, moi j'en ai commandé quand même, j'en ai trois en stock, trois de chaque. Par contre, de la même manière, je ne sais pas du tout combien de temps ça restera disponible sur le site. Donc, nous avons celle-ci, donc avec une petite planche d'écriture et une petite tasse, une femme, une ombrelle, etc. Nous avons, en féminin aussi, on a celle-ci, donc avec une petite étiquette. Alors, pareil, hein, c'est bon, c'est une ambiance, hein, le vintage, c'est pas pour tout le monde, ça dépend vraiment de nos styles, mais pourquoi pas, ça fait vraiment des tampons, des planches de tampons à petit prix. Et puis, on a la version masculine, donc avec deux hommes. Alors, pour le coup, c'est toujours compliqué de faire des cartes masculines. Donc là, je pense que c'est assez sympa quand on a des petits éléments comme ça masculins pour faire lorsqu'on a un anniversaire ou une retraite, ça peut être chouette. Donc, 2,80 € la planche de tampons. Je vous dis, j'en ai trois en stock de chaque, mais je pense que ça ne va pas rester trop longtemps. Pour finir, j'ai encore quelques bricoles. Alors, à savoir que je me suis mis un petit peu là pendant le confinement, certaines artistes ont partagé, ont donné des tutoriels gratuits, etc. Donc, je me suis un peu initiée aux aquarelles. Et donc, parfois, quand on fait de l'aquarelle, il faut de l'encre de réserve, ça permet, on le met avant d'imposer l'aquarelle, et ensuite, une fois que l'aquarelle est sèche, on enlève la pâte de réserve, et ça fait réapparaître le blanc, parce que dans l'aquarelle, l'essentiel est quand même l'eau, évidemment, les aquarelles, la peinture, les godets d'aquarelle, mais également travailler le blanc. Et souvent, le blanc, c'est le papier, en fait.
Et donc, chez nous, on a la marque PBO. Donc, je vous en reparlerai encore après parce que je vais vous montrer. On a aussi, c'est assez étendu comme marque. Ça permet vraiment les arts créatifs. Et donc, dans la PBO, on a le drawing gum. Et je sais pas pour certaines si vous vous souvenez, mais on avait ça à l'école. On travaillait le drawing gum, l'encre de réserve. Voilà. Donc, chez nous, c'est 6,30 €. Le petit tube de 45 millilitres de la marque PBO du drawing gum, donc de la gomme de réserve. Alors toujours dans les aquarelles, j'ai plein de retard sur mes petits ateliers à faire, donc j'ai commandé pas mal de papier aquarelle pour tester justement. On a plein de sortes de papier d'aquarelle chez Keepers. Donc on la marque Water Arts. Donc généralement quand on fait de l'aquarelle, on préconise surtout du 300 grammes, voire du 200 grammes, mais plutôt du 300 grammes en tant que papier. Donc voilà, j'ai celui-ci en 300 grammes, alors en format A4, donc à 5,50 que j'ai déjà testé et qui n'est pas vraiment blanc en fait. C'est ce que je reproche. J'aimerais bien avoir des vrais blancs, mais j'ai encore du mal à trouver des vrais blancs. Alors, il y a celui-ci, mais qui fait que 185 grammes. Donc ça, je vais le tester aussi en mix média. Et lui, pour le coup, celui-ci est quand même plus blanc, donc et plus lisse. Donc à voir. Je vais tester un petit peu. J'espère qu'il va supporter le mouillé. Et sinon, j'avais aussi celui-ci. Alors, vous voyez, c'est pareil, c'est relativement jaune. Ça m'ennuie un peu. C'est du A4 aussi. Et là, c'est en 200 grammes. Et là, il y a 10 pièces et 3,40 €. En fait, je voulais vraiment tester la gamme de papier. Donc, ceux-là, c'est les petits prix qui sont vraiment pour démarrer. Et j'ai également voulu tester la marque qui est la plus chère. Et donc j'ai pris en grand bloc. Voilà, je me suis fait plaisir, comme on dit. Donc ce sont des. Là, c'est un bloc 36 par 48 en 200 grammes. Donc avec des grandes feuilles. Voilà. L'intérêt, parce que j'avais vu pendant le confinement, donc j'ai suivi les stages des tribulations de Marie. Et elle travaille souvent sur ce genre de papier qui, en fait, les feuilles sont collées entre elles et que quand on les travaille, elles ne gondolent pas. Et en fait, on enlève la feuille qu'une fois qu'on l'a travaillée. Et comme ça, elle reste bien plate. Ça nous évite de la fixer au scotch de masquage. Donc, pareil, je vais tester ça pendant mes vacances et je reviendrai vers vous avec un petit retour d'expérience. Voilà. Alors par contre, ce bloc-là, donc on a 10 feuilles, 36 par 48 cm en 200 grammes et qui fait 9,45 €. Bon, ça reste raisonnable, hein, parce qu'on imagine, voilà, les feuilles A4, c'est, vous voyez, vous en avez quand même, ouais, finalement, c'est pas si cher que ça. Ça me paraissait cher au départ, l'investissement, mais finalement, voilà. Bon, à suivre. Je vous tiens au courant des nouveautés, de mes expérimentations de vacances. Alors, pour finir, là, pour le coup, ça va être pour finir. J'ai également acheté ça. Alors, pareil, pour voir un petit peu le produit, parce que quand on le voit sur le site, on ne se rend pas bien compte. Donc, initialement, c'est un support bois, forme appareil photo. Et donc, vous voyez là, ici, la possibilité d'y mettre une photo. Voilà. Alors, évidemment, moi, scrapeuse, je vais sans doute l'utiliser différemment. Pas uniquement de cette sorte. Je pense qu'il va accueillir un album. Je ne sais pas encore comment, mais dans son dos, peut-être là, un checkerbox. En fait, je ne sais pas trop encore. Mais voilà, je voulais vous montrer ce support-là. Donc, vous voyez, il fait quand même 20 cm par 11 cm. Ça fait un bel appareil photo. Donc, on peut imaginer un bel album. Un bon support de boîte. En fait, je ne sais pas. À vous, faites-moi des suggestions aussi si ça vous inspire. Et donc, ce produit-là est à 3,85 €. Bon, je pense qu'également, je changerai la lanière parce qu'elle ne me plaît pas tellement. Mais bon,
Voilà, je voulais vous montrer ce produit. Ça vous permet de voir ce qu'on a. Et pour finir, également ce produit-ci, qui est donc le sac de plage, qui est sorti très récemment de la marque Staffy. Donc, vous voyez, le support, il y a la corde. Alors, j'espère que vous voyez sur la vidéo. Il y a une fermeture aimantée, un peu de jute sur le fond. Donc, au niveau taille, il fait 35,5 par 46 par 15. Donc, ça, c'est la profondeur. Donc, il est en jute et en toile canvas. Donc, il faut imaginer que vous le travaillez avec de la peinture sur tissu. Donc, sachez qu'on peut trouver sur le site des photos d'inspirantes. J'ai également toute la gamme de peinture sur tissu ici avec moi. Donc, je pourrais éventuellement vous scanner et vous envoyer en PDF le nuancier des peintures, des différentes peintures que l'on peut utiliser. Donc, il y a trois marques chez Keepers. Donc, toujours pareil, on a la marque PBO, donc qui a des peintures pour le textile. On a la marque également Viva Décor, qui fait également des peintures textiles. Hein. Ça existe également en feutre, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le pinceau. Donc, on a également des feutres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Je scannerai le document pour que vous puissiez l'avoir en PDF et avoir les nuanciers avec vous pour choisir vos couleurs. Dans la vidéo, je vous mettrai les liens en direct des peintures. Hein. Voilà, donc c'était à peu près tout ce dont je voulais vous parler pour ce déballage de colis. Je reviens juste pour vous parler d'une nouveauté. Donc, comme je l'ai dit un petit peu dans la vidéo, depuis peu, les clientes peuvent commander directement sur le site. Dans l'idéal, évidemment, si vous voulez me faire plaisir et que vous voulez commander par le site parce que vous avez une envie irrésistible de commander, je ne suis pas dispo pour une raison ou pour une autre, et que vous souhaitez votre commande très rapidement, vous pouvez donc commander par le site. Je serai ravie si vous utilisez mon code, évidemment. Ça ne m'apporte pas énormément de choses. J'espère juste pouvoir suivre un petit peu les personnes qui achètent via ce code. C'est en cours au niveau de la société. Ils essayent de trouver un système. Donc, pour pouvoir qu'on puisse suivre un peu les personnes qui achètent. Mais sachez que c'est possible. Mais sachez également que je continue de faire des commandes groupées, que je continue d'offrir les frais de port aux personnes qui prennent leurs commandes au sein de ces commandes groupées, donc à raison d'une tous les 15 jours. Bon, là, ça va un peu se calmer parce que c'est les vacances, donc c'est un peu plus calme. Mais sinon, en dehors des vacances d'été, je commande tous les 15 jours. Vous pouvez aller voir sur mon blog, c'est indiqué les dates. Tous les 15 jours, je fais donc des commandes groupées que je réceptionne et que donc je redonne à chaque personne. Ça vous permet donc de gagner les frais de port. Et ensuite, je fais également, je tiens à jour un tableau fidélité, c'est-à-dire que tous vos achats sont répertoriés dans un tableau Excel. Et au bout de 5 achats, je vous fais un chèque fidélité qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un chèque que j'ai créé moi-même, c'est le visuel, hein. Et donc le montant correspond à 5% des achats effectués. Donc voilà, tout ça c'est pour vous inviter à plutôt passer par moi, mais effectivement, il y a urgence dans un colis ou si vous n'êtes pas dans les Ardennes, vous pouvez commander par le site internet. Pour info, les frais de port sont offerts sur le site qu'à partir de 120 euros et sont dégressifs en fonction du montant de vos achats. Il y a également, au niveau du paiement, c'est un peu particulier aussi puisque la boîte est en Hollande. Vous ne pouvez payer que par PayPal, il me semble, à confirmer.
Mais voilà, c'est possible. Mais sachez que je serai toujours ravie d'être votre interlocutrice et animatrice privilégiée. Voilà. J'espère que tout se passe bien pour vous. Profitez bien des vacances. J'espère qu'elles seront créatives. Je vous dis à bientôt. À très vite. Bye bye. Thank you.